That feeling in the pit of your stomach, that inner fire, that pushes you to outdo yourself, to take risks, to shine. It's what brought you here. Lead on. Expert aujourd'hui qui peut expliquer nous le projet de offshore wind. Moi, nous connaissons un pays et Maurice nous bien intéressé avec l'énergie renouvelable et il y a beaucoup de travail qui nous fait alors, l'énergie renouvelable sur la terre, par exemple sur le soleil avec du vent, mais au Research Council nous peut aussi exploiter l'opportunité de l'énergie renouvelable qui est là dans la mer. Moi, nous déjà connaissons, nous avons un projet avec le gouvernement australien pour exploiter l'énergie des vagues. Et maintenant, nous, avec Man American, nous avons une possibilité pour exploiter l'énergie du vent qui vient dans la mer. Et d'après nous, une calculation qu'il vient faire, nous trouvons qu'il y a un grand potentiel dans l'industrie-là. Et là, nous avons vraiment une lutte l'industrie de l'énergie renouvelable. Pour moi, l'ambassadrice India ce matin, dans le monde, il y a 1 million d'emplois qui sont créés à travers l'énergie renouvelable. Donc, pour nous, c'est une lutte l'industrie qui nous permet, mais nous visons bien sûr faire la science, technologie et recherche, faire un travail pour capable exploiter cette nouvelle forme de l'énergie renouvelable. Le workshop principalement, dans l'université, dans le secteur privé, bien sûr le gouvernement, et tout le monde qui est intéressé dans l'énergie renouvelable, dans les NGOs aussi. L'idée c'est pour exposer nous de travaux qui ont déjà commencé dans plusieurs pays, le Danemark, surtout dans les Nordic countries, l'Allemagne, Sweden, Norway, Japan et la Chine aussi, même en Amérique aussi, comment ils sont capables d'exploiter l'énergie du vent de la mer. Donc, avec sa connaissance-là aussi, et dans un calcul qui un chercheur vient faire à Maurice ici, qui démontrait vraiment qu'il a le grand potentiel pour Mauriciens aussi, capable d'exploiter sa forme de l'énergie-là. Je vais parler du potentiel de l'éolien offshore l'île Maurice. Je vais parler des challenges, des défis qui attendent l'île Maurice pour développer l'éolien offshore. Mais justement, quels sont les défis ? C'est mettre en place un processus de permis pour pouvoir construire des fermes éoliennes en mer. Tout ce qui va être collection de données sur site pour pouvoir dérisquer les projets, réduire les coûts, optimiser le design et la conception de nos fermes éoliennes. Et après, on va parler aussi surtout des opportunités, parce que l'éolien offshore est une énergie formidable. C'est une très grande efficacité énergétique. Ça apporte de l'emploi, ça crée de la valeur, ça réduit les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, on va aborder tous ces sujets-là.